Amour, justice, équité, trois mots sur lesquels se base l'association FA 12-12-15, regroupement des femmes chrétiennes du Gabon, issues de plusieurs dénominations ecclésiastiques de la place. Jumelant le premier anniversaire de cette association à la célébration en différé de la Journée internationale des femmes, elles se sont massivement réunies le 7 avril dernier à l'église internationale de Nazareth, située dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, pour célébrer l'élite événement. Nous avons précédé des discours et autres, lors de la première phase, les conférencières retenues pour la circonstance ont à tour de rôle partagé leurs expériences sur des thèmes comme la femme chrétienne et l'entrepreneuriat ou le choix du conjoint. Le choix du conjoint, nous allons définir, c'est quoi le choix? Le choix, c'est l'action de choisir. Et quand il s'agit du conjoint, c'est l'action de choisir son conjoint. Selon la volonté de Dieu, le choix s'impose à toute personne. Il y a plusieurs types de choix de conjoint. Le choix du conjoint selon les hommes, c'est un choix qui est influencé par les hommes par rapport à l'aspect extérieur ou naturel. Fondant leur base sur des intérêts charnels et la dissimulation des pensées. Deux, le choix du conjoint selon Dieu, c'est un choix inspiré par l'Esprit de Dieu, soutenu par la parole de Dieu. La femme chrétienne et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat vient du mot entreprendre, qui veut dire commencer à bâtir quelque chose, une maison, ouvrir une entreprise, entreprendre des travaux, commencer l'exécution de quelque chose. Pour bien entreprendre, il faut d'abord connaître les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Car c'est en fonction de cela que tu seras dans ton couloir d'entreprise. Puis s'en est suivi la clôture par un cérémonial prophétique duquel l'on pouvait lire différents textes. Le péché fait la honte des peuples, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Fin de citation. N'ayez plus peur de Satan, il est vaincu dans le nom de Jésus. N'ayez plus peur de Satan, il est vaincu. Sur ce, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.